Bonjour les amis. Donc après ma première vidéo que j'ai faite par rapport à Google Trends et qui montrait un petit peu l'obsession de nos amis algériens à chercher des termes qui se rapportent à la culture marocaine comme cuisine marocaine, cafetan marocain, etc., etc. Aujourd'hui, je voulais faire une petite expérimentation en direct avec vous sur Facebook et plus précisément sur le Facebook Market ou le Marketplace, l'une des plus grandes plateformes de shopping en ligne. Donc, on prend n'importe quel compte Facebook, on va sur le Marketplace. Je vais d'abord commencer par le Maroc. Donc, je change la localisation et je vais sur Rabat. Bien sûr, je vais préciser le terme de recherche et je tape algérien. Voilà. Donc le seul résultat de recherche que j'ai, c'est les dates en provenance d'Algérie. Je change la localisation sur une autre ville marocaine. Je prends par exemple Marrakech. Aucun résultat algérien dans un rayon de 60 km. Allez, on tente une dernière fois. On prend par exemple Fès. Allez, on prend un rayon entre Fès et Meknès, le centre du Maroc. Ah, cette fois j'ai un autre résultat, le seul d'ailleurs. Donc la sauce burger algérienne. Entre parenthèses, cette sauce a été créée par une société qui s'appelle Nawals. C'est une société belge fondée par deux Marocains. Donc, encore une fois, merci aux Marocains d'avoir créé cette sauce. Bon, cette fois, on va inverser les rôles. Donc, on change la localisation sur une ville algérienne. On prend Alger, par exemple. Bien sûr, on va préciser le terme de recherche. On tape marocain cette fois. Et voilà, les résultats vont défiler. Donc, caftan marocain, le fameux caftan marocain, salon marocain, caftan marocain, la jibba ou la gandoura marocaine. Voilà. Hammam marocain. Caftan. Jabador marocain. Tapis marocain. Du plâtre marocain. Encore une fois, le travail de plâtre marocain, très apprécié en Algérie. Et ça ne finit pas. Bon, on change la localisation, on va un peu plus à l'est, sur Annaba par exemple. Voilà, donc toujours avec le même terme de recherche marocain, donc la même chose, salon marocain, plâtre marocain, une théière marocaine. Le fameux caftan marocain, une gandoura marocaine,
là-bas. Même ses accessoires de mariage. Allez, une dernière fois, on va cette fois sur une ville voisine, Oran par exemple. Sans grande surprise, plusieurs résultats encore. Donc le salon marocain, djellaba marocaine, etc. Tagine marocain. Et voilà. C'est vraiment énorme, hein. Ça montre franchement la grande influence culturelle qu'exerce le Maroc sur son voisin algérien. Et en fait, plusieurs amis algériens m'ont confirmé que le mot marocain, associé à des produits artisanaux, c'est vraiment un gage de qualité et de sérieux. Et cela s'explique d'ailleurs par les 18 millions de dollars de vêtements traditionnels qui sont exportés chaque année vers l'Algérie. Sans parler bien sûr des autres produits artisanaux et des composants du salon marocain.